First things first, what language are we running in, Prolix? All I can say is, vive la France! Yes! All right, that's the right choice. On croise tous les doigts pour qu'il ait capturé l'énergie. Oui, il l'a. La RNG parfaite. Et du coup, il peut se déplacer pendant la cinématique d'apparition du boss. Du coup, il va pouvoir tirer dès que le boss apparaît. Allez, dégage! Et bim, allez hop! Vous savez, je vous avais dit qu'avant, on faisait d'abord Create puis Ridley, puis Create puis Ridley. Et vous allez comprendre tout de suite, mais vraiment immédiatement, pourquoi maintenant on fait Ridley. Voilà, le boss est mort. Oui, c'est ça, c'est le premier boss principal. On est obligé de le tuer pour avancer dans l'histoire. Donc Lil Agi, hein, qui est vraiment, vraiment très très chaud, hein, en termes d'exé, voilà, ça c'est bien joué. Voilà, donc là, le premier jump qui est passé, c'est pas terminé. En fait, on va manipuler l'IA de Gyobu pour qu'il saute dans le vide. Et là, le fast kill est réussi. C'est très très bien joué. Regardez bien la jauge de vie, ça va fondre comme neige au soleil. Et le finisher de Peter Pan. J'ai peur, cette room en marathon, jamais ça passe. Ah ouais, non, mais jamais. Même durant le World Record, ça troll, donc. En vrai, je suis sûr qu'il va faire ce try. Oh GG. Comment t'arrives? Bah, du coup, c'est pas une curse, mais. Mais le fait de pouvoir grimper, de pouvoir nager, juste. Ah, ça je connaissais pas. Bon, ne faites pas ça chez vous. Hein, et je crois qu'il ne connaissait pas non plus, vu sa réaction. il a trouvé une optimisation. Voilà. Il peut pas réutiliser la moto qu'il vient d'utiliser, et vu qu'il en a le sim juste ici, bah, c'est tranquille. Là, il va se setup un petit peu pour faire un méga saut de la mort, voilà. Comme je disais à Muri, voilà, il tente un créneau. Si vous ne savez pas faire les créneaux chez vous, n'hésitez pas à prendre exemple là-dessus. Et voilà, il est bien garé, nickel, on peut repartir. Il essaie le suivant. Allez, allez, allez. Oui, oh, il l'a fait. Allez. Je sais pas si vous avez remarqué, une oie, ça a des ailes en fait. Et donc ça peut voler. Et là, ça va voler bizarrement. Ça... Voilà, on va voler un peu étrangement contre un mur. En le traversant comme cela. En faisant une attaque plongée, et on, la hitbox du personnage se décale et on peut littéralement en fait se retrouver placé légèrement en dessous du plan de la map, de la box qui compose le niveau. Et du coup on voit, ce qui est très marrant, on voit l'animation, on voyait les petites traces d'eau, enfin d'éclaboussures quand il marchait, mais en réalité il est juste sous la map. Il a littéralement des 3 ou 4 mm sous la map, et ça lui suffit du coup à faire un auto-gun à travers la moitié du niveau. En fonction de la position à laquelle on est quand on le fait, on peut se faire éjecter de plein de manières, y compris arriver directement en boss. Et là, on peut remercier Grezzo d'avoir modélisé la montagne. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va utiliser une petite faille que les développeurs ont oubliée. Les développeurs ont modélisé le mur, mais ils ont oublié en fait une partie. Ils se sont dit, ouais, cette partie-là, on va laisser ça creux. Oui, effectivement, ça marche pas mal. Ça a l'air sympa, ouais. Ça... Effectivement, ah ouais. Totalement différent de ce que j'avais vu, mais du coup c'est extrêmement cool. Et puis ça lui permet de faire des sauts assez fifou. Hop, on a qu'à sauter par là. Et puis un petit peu par là. Ah bah c'est bon, on est en bas. Nickel. Très facile. C'est que à cause du Striker glitch, Léon va beaucoup trop vite et donc il va partir sans le jet ski. Youhou! Allez, salut! Ça va être le time bientôt. Incroyable. Incroyable, donc 23 minutes. Ils sont à 3 minutes du record du monde. Ils n'ont pas été mis une seule fois au tapis. Ah oui! Et oui! Let's go! Come on! Let's go! Oh, wait a minute. I don't Let's go, you can do that. Oh là là, les bâtards, ils l'ont foutu à l'envers. Oui, parce que le truc de ce streamer, en fait, c'est il met son casque. Il met son casque lorsqu'il affronte le dernier boss. Effectivement, quand on a vu le fait qu'il prenne un coup... Ouf, c'est bon, c'est esquivé. Encore une fois, hop. Là, ce qu'on va faire quand il tombe, c'est qu'on va maintenir avant, histoire de continuer à stun. Là. Et là, ça va être fini. Un coup. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et hop, ça c'est esquivé. Par contre, d'origine, on a plus de coups. Mais normalement, on va avoir de la magie. Il compte. Donc, énormément de post-buffer pour calculer la trajectoire. Ah, magnifique, super bien fait.
accélère, qui se multiplie. Qui se croise, ouais. Ça va de plus en plus vite, c'est infernal. Oh les haricots, oh là là, et là il a plus de bombe. Hein. Là il est là c'est sans filet. Voilà, le prochain c'est la mort. Mais vous êtes sérieux? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh mon dieu. Et c'est là que dos au mur, on sort les plus belles performances. Et là. Ok. Oh là là mon dieu. Il va finir par mourir. Enfin, moi, monsieur. Voilà, le psycho cocktail Neo dans Matrix, je les vois. Ah. Ils se penchent. Oh, ce showcase d'utilisation du grappin. Ah. Pool 1, Matrix 0. Ne tire plus de tech. De tech 10. Voilà. Oh là là là. Oh, c'est magnifique. Oh là là, mais magnifique. Avec le gif incroyable. Et le time. Oh là 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 là. Et bah, GG. 42 minutes 31 secondes, je crois que c'est un world record. Je voulais pas vous hyper, mais je crois que c'est un world record. C'est un world record. 40 minutes 31 secondes in-game. Et bah, c'est un world record. Niveau vertical, on va extrêmement vite, bien évidemment. Mais surtout, on va aller encore plus vite parce qu'on va abuser d'un bug où deux ennemis retournés quand on les envoie l'un sur l'autre. Des bisous, t'as la morceau de pacotille, je m'envole. C'est en fait justement un monde avec le petit soleil que tout le monde détestait. Oh là là, Mitch qui fait sa superbe technique. Il remonte en sautant, en se décalant de quelques pixels pour laisser les deux boules de feu juste devant lui. Et du coup, voilà, c'est ce qu'il avait fait dans son record du monde. Balder de Bayonetta 1 s'est fait laver le cerveau par le boss de Bayonetta 2. Seul truc, c'est que Bayonetta 2 se passe après Bayonetta 1. Et en fait, comme on retourne dans le passé, on voit le Balder du passé qui, en fait, nous affronte. Mais c'est pas vraiment que Bayonetta, c'est sa fille. Et au bout d'un moment, il comprend que c'est sa fille et il coopère avec Bayonetta. Mais après, il se fait enlever par le boss final de Bayonetta 2. Et en fait, il retourne dans le passé et il devient méchant. Et en fait, il affronte Bayonetta dans Bayonetta 1, voilà. Démerdez-vous. C'est Dallas. Ah bah, son univers impitoyable, là, on est dedans. Là. Oui, le 8 est sorti avant le 5. Alors, merde. Allez, vas-y, explique. On va vous faire une Wonder Boy. Vous savez ce que c'est une Wonder Boy, hein? Bon, donc... la série canonique, c'est Tony Hawk's Pro Skater, Tony Hawk's Skating, Tony Hawk's Pro Skater 2, 3 et 4. Ensuite, le jeu bifurque devient Tony Hawk's Underground. Et Tony Hawk's Underground 2, Tony Hawk's Underground, ça fait Thug en anglais. Et ensuite, devient Tony Hawk's American Wasteland. Puis Project 8, qui est donc le 8e épisode, et Proving Ground. Voilà, qui sont les 9 épisodes existants. Mais il se trouve que l'éditeur qui s'est dit qu'il allait engranger un maximum de pognon, plutôt que de considérer que Underground 1 et 2, American Wasteland, Project 8 et Proving Ground faisaient partie des épisodes canoniques, ils ont repris la numérotation à partir du 4 qui avait été abandonné. Donc, littéralement, hein, on vous fait une Wonder Boy, voilà. Alors au niveau de l'histoire, bon bah c'est pas bien compliqué comme vous vous en doutez. Alors en fait c'est une satire assez acerbe du monde contemporain puisque nous jouons un start-upper qui s'appelle Jean Hubert et il vient de fonder une start-up donc spécialisée dans les. Il a eu une très bonne idée, c'est-à-dire de prendre des gels douches et de les solidifier en rectangle, un peu en pavé rectangulaire. Il se dit que ça va marcher et donc il doit se rendre dans son espace de coworking pour travailler sur son workflow. Hélas, un robot géant, qui est sans doute l'Evangelion CGT, a arrêté le métro, a kidnappé ses partenaires de promo HEC. Et donc, il doit monter sur sa plus belle trottinette électrique pour faire des tricks, pour libérer ses amis. Se poser avec un thé au chocolat chaud pendant 4 heures à Elton bottant une marmite. Et non, moi, je sirote, je savoure, je suis pas un animal. Moi, tu me files un petit thé, un petit Earl Grey un peu classe dans une tasse. Je mets avec mon plaid sur les genoux parce que je suis un homme moderne. Je mets Speedrun sur la télé et je sirote doucement. C'est follement décadent. Voilà, moi je suis un mec comme ça, moi. Tu as vu, il est passé à travers le mur. Comme c'est cocasse. Oh là là. Quelle féerie. Quelle féerie. Maître Yoda, mais suis-je enfin prêt à affronter Ashura en solo?
Oh là, mollo, jeune padawan, la longue est encore la route, beaucoup encore à prendre, tu dois. Eh bien, grand Schtroumpf, je continue à schtroumpfer de nouveaux pouvoirs pour schtroumpfer Ashura et schtroumpfer Ariana. Oui, mais souviens-toi de ces conseils faits main et félin. Par de trait. Si les chats portaient des gants, ils n'attraperaient pas de souris. LOL. Je comprends rien, j'ai pas compris. LOL. Vous pouvez vous applaudir hein, pour ce riné. Ah, bravo, oui. Voilà, nous, on n'applaudira pas parce que. Parce que ça fait du bruit dans le micro et c'est pas terrible, mais on applaudit très fort dans nos têtes. On a la possibilité de re-rentrer dans l'armure. Et voilà, donc de complètement devancer le chien, ce qui a pour effet ben, de tout simplement le. Partir sans lui. Et de partir sans lui, c'est ça. Voilà, vous voyez, il s'arrête là, le pauvre. Non, c'est la vidéo qui est comme ça de base. Et voilà. Et voilà. Link a créé la vie. Voilà. Le pont des chiens. Oh là là. Alors, c'est une très bonne remarque. On m'indique sur le chat que ce n'est pas parce qu'un Pokémon est sexué qu'il peut vouloir se reproduire. C'est vrai, certains Pokémon refusent de se reproduire, même en étant sexués. Ne vous reproduisez pas, s'il vous plaît. Et là, vous allez prendre une vraie leçon de cachette. Pour tous ceux qui veulent soit fuir des serial killers, soit jouer à cache-cache, apprenez maintenant. Donc, voilà. Voilà, voilà. On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus, on me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus, on me voit un peu, on me voit plus, on me voit. Et donc on va directement aller à Kefka Atnarch, c'est-à-dire qu'on va aller voir Bannon et faire lancer l'attaque à trois groupes qu'on fait normalement. Sauf que normalement on a Celeste, Go, Locke, Saiyan, Sabine, etc. Mais là on les a pas renommés, donc ils n'existent pas dans le jeu. Donc le jeu va mettre des Terra blondes qui sont le personnage par défaut, entre guillemets, pas encore assigné. Elles ont 0 HP. Du coup, si on rentre en combat avec, on meurt. Elles n'existent pas. On les voit même pas dans un combat. You are no très belle énergie de du allez, vous pouvez tous faire des wows. Et après on pourra attaquer les solos. Voilà. Alors. Et là c'est l'instant bon courage. Bien joué le chat, j'ai répondu présent. Oh le oh oh donc là une des sections les plus dures de la chanson, il l'a fait mais sereinement. Ah c'est les Tortues Ninja version. Ah, oui. D'accord, j'avais pas capté. À votre avis, est-ce qu'ils sont genre vraiment en forme ? Ou juste tellement au bout de leur vie qu'ils dansent sans y penser. Le fantôme qui est dégoûté d'avoir perdu, bah qu'est-ce qu'il fait ? Il se casse avec le lit. Et oui, les fantômes ont des propriétés physiques et ils se barrent avec le lit. C'est mon lit, mon gars. Tu peux prendre la chambre, il n'y a pas de souci. Moi, je me casse avec le lit. Ce qui se passe, c'est une énorme course-poursuite. Croctet n'entend pas de cette oreille. Non, non, moi, je dois dormir. Mais effectivement, ses copains fantômes lui ont fait une farce. Il est tombé de 10 mètres et... Non, il n'est pas mort, il est juste trop fatigué pour pouvoir se relever, donc il préfère dormir sur le sol. Voilà, la fin de Croctel. Ça va vous sinon là c'est... C'est elle qui, je crois, parle pour l'ensemble du groupe.
Et, tandis qu'on voit qu'il n'y a absolument personne sur les rangs dans les JDQ. Hein, on voit il y a même plus de monde dans les bureaux du French Frost Stream que. Oui, c'est ça. À Orlando. Il y a plus de monde dans le lit de maman que dans cette salle. Ah non, il y a des gens qui passent quand même. Qui traversent. Ah oui. Je vais demander l'avis d'un expert là-dessus. On va laisser quelques secondes. Maman, que penses-tu de cela? Moi, il dort, espèce d'enflure. Maman dort, tu le sais très bien qu'il dort. Merci, maman. T'as tellement pas de religion, toi, c'est terrifiant, quoi. Alors, est-ce que maman s'est réveillée? Non. Non, vous voyez bien, il dort toujours. Ça va, maman? Merci, maman. Vous savez le gros Pokémon endormi là qu'on avait dans les premières générations? On parle pas de maman, hein. On parle pas de maman. Qu'est-ce que vous racontez le chat? Non, sinon c'est faux. Bon, pas trop compliqué hein, ce boss rush. Hein. Tout ce qu'on doit faire, bah, c'est les aggros comme il faut. Ah, alors que j'ai entendu un bruit. Oui, allô maman? Ah, je l'ai pas vu passer ce jeu, c'est incroyable. Comme ça va vite le speedrun, c'est maman incroyable. Maman qui se réveille 42 minutes quasiment à la fin du jeu, puisqu'on est au boss rush. On n'est pas à la fin, on n'est pas à la fin. Ouais, en gros, il va nous rester 3 minutes de run. J'ai raté l'intro. Donc là, au début, on va prendre Bulbizarre. Oui. Enfin, prendre un run. Ah là là. Ah là, ça c'est incroyable, ça c'est bien le seul run pour lequel on prend. Et là ça va être incroyable parce que la raison pour laquelle on prend Bulbizarre, alors tenez-vous bien parce que c'est incroyable, c'est parce que c'est le Pokémon qui meurt le plus vite. Et il y a des petits one shot et. En deuxième game, c'est celui-là il était joli. Hein. Il régale sur la fin. Bon, après il a plus de pression. Moi. Oui voilà, là c'est parti, normalement il n'y a plus de raison de perdre. Il s'est déjà foiré donc... Oh ouais non. Ah le curse. Aïe aïe aïe. Voilà, j'ai... Voilà, c'est de ma faute, pardon. Il va falloir redire ça à... Mais... Ah non. Là je demande l'arbitrage vidéo. Je demande l'arbitrage vidéo parce que c'est pas possible. Si le jeu commence à tricher, on va plus s'en sortir. Donc les... Hey, alors une épreuve... Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? J'ai jamais vu ça dans aucune run que j'ai vu. J'ai jamais vu... C'est incroyable! Je savais même pas qu'on pouvait casser le jeu à ce point! Non mais ce jeu est presque plus cassé qu'Ocarina of Time, c'est pas possible! Ah, et du coup, ça... ah oui, d'accord, en fait chaque Blue Warp ajoute du spin à Link. Parce que normalement elle fait tourner Link. Donc là on va réussir en mettant là, qu'elle tourne vachement vite. C'est génial! Il a l'air confiant. C'est touché. Donc Tingle Tuner pause. La bombe est placée. Nous allons mourir. Jump slash juste avant le game over que Link se relève. On bourbe et normalement ça va magnifiquement bien se passer. Voilà. Hop, le cœur est pris. Link ressuscite. Dans la troisième option, qui est de combattre les extraterrestres pour reprendre le contrôle de notre planète, bordel. Allez, c'est parti, on combat et game over, étant donné que les programmeurs n'ont pas mis le combat final dans le jeu. Et voilà, c'est time. Magnifique, merveilleux. C'est la victoire, enfin c'est la défaite plutôt, mais c'est la fin du jeu. C'est ce qu'on voulait. Là, il a récupéré la griffe céleste qui va être l'arme, c'est le lance-roquette hein, du jeu. Sauf qu'en fait, c'est une griffe qui arrache des planètes dans le cosmos et qui les réduit de taille pour qu'on puisse les expédier comme projectiles explosifs. Donc voilà, on rigole zéro hein, comme personnage. C'est... Et du coup, on va s'en servir pour faire des planet jumps. C'est comme des rocket jumps, sauf que bah, comme on tire des planètes, voilà. L'avantage pour nous, modeste spectateur, c'est que du coup, on va avoir beaucoup plus de combats, et c'est quand même ce qu'on veut dans Doom à l'origine. Bah, c'est quand même le but de Doom, hein, de base. On tire sur des trucs, on avance, on tire sur des trucs, et il y a même un moment où je pense qu'on tire sur des trucs. Mais vraiment, je suis pas sûr. C'est ça, parce qu'on peut dire voilà, ce qu'on là, veut sur les jeux. Là, moi, dans la run que j'ai vu, il négociait à mort avec Desmonda. Oh, ouais, là, il a bien négocié. Il a négocié 5 fois, je crois. C'est important d'expliquer son point de vue correctement. Ouais, il faut toujours apporter des arguments de poids dans une discussion. Et là, on active la négociation finale. Et voilà. Et là, l'Institut qui va être quand même sacrément bien convaincu, je pense, de laisser tout le monde tranquille. Oui, là je veux dire, je pense qu'on a fait entendre nos arguments avec impact. C'est une mission qui est très amusante, moi je trouve d'ailleurs. Parce que là, grosso modo, là, il faut mettre les toilettes dans le trou,
Voilà, et au lieu de les pousser, il va mettre du C4, il en met 3 exactement. Et en explosant ces 3 points de C4. Ah. Oh, il a raté l'explosion. Ça va. Et donc, mais normalement, ces 3 points, ces paniers. Oh là 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 là. Oh ce. Alors, ça c'était moins cher que gratuit. Alors, on appelle ça la patate de forain dans le milieu. Et là, il y a une mission. Alors, on va détruire. Alors, déjà, oh, alors ça. Bravo, bravo. Wow. J'espère que ça va marcher sur le stream. Parce qu'il vient d'allumer les avions pour qu'ils se prennent le pont. Alors, ça, c'est exceptionnel. C'est magnifique. Parfois, il y a des choses qui se passent de commentaires. Ah, et mon passage préféré. Il est pour toi. Le tapis roulant. C'est génial. Et notez la Season Walker qui attend patiemment qu'on finisse dans ses mâchoires. C'est-à-dire qu'elle bouge pas. Elle est là, elle attend, tranquille. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Alors que je voulais redire tout à l'heure, j'ai vu des gens demander si on avait les. Si le jeu était modé, mais non, hein, comme je dis, il n'y a aucun mode dans tous les différents Fallout qu'on va voir ici. La seule chose, c'est qu'ils ne jouent pas dans la version la plus récente. Là, pour le coup, il faut une ancienne version pour pouvoir faire une partie des glitches de la run. Hein. Pourquoi le P-Boy est reçu au story? Ouais, alors en fait, je pense qu'il a mis un mode. Il y a peut-être un mode au final. Qui n'est pas normalement utilisé, mais voilà, mode esthétique sur le P-Boy. Ah, le fast travel. J'adore les fast travel dans Spider-Man, ils sont absolument géniaux. Il y a un petit temps de chargement qui est camouflé avec des petites scénettes dans le métro qui sont absolument impayables. Encore plus en caleçon. Oshiga, ouais. Ah. C'est. Non, on peut crever en sortant de l'écran. Oh non, mais non. Peut-être pouvoir nous raconter qu'est-ce qui est censé se passer ici. Donc là, on nous rend compte qu'en fait, c'est Andrew Ryan qui nous raconte qu'en fait, Atlas nous manipule depuis le début. Non. Mais non, mais ils sont pas sérieux. We're playing Skyrim. No, okay, we're back. Merci Blood Thunder. Donc du coup, il y a des hémorragies internes. Il faut passer un coup d'ultrason, couper, sauf que ça fait super mal. Voilà, vous voyez les... La patiente est un peu. Et là, il y a un truc dans le scénar qui fait qu'il y a un accident. Du coup, ça fait encore plus de dégâts. Mais Valerie Playlock débloque son ultime dent de guérir. Le patient est immortel. 12 seconds later. Il ne s'effondre pas après avoir utilisé Swinging Touch. Ah. Non. Oh, le manqué sur les sutures de la fin. Oh non. Bah on va le refaire. Hein. Donc on l'a refait. Alors on disait donc. Swarmstead. Psychic. PV. Ça passe. Tout est maîtrisé. Le geste est précis. Ce speedrunner sait ce qu'il fait, ne vous inquiétez pas, tout ceci est sous contrôle. C'est un speedrun du coup de Wikipédia, bienvenue à tous sur le Flash Stream. Ne demandez pas ce qui se passe, nous ne savons pas. En gros, Badger est juste en train de. Point de vue, c'est meilleur. Oui, c'est un setup un peu spécial là, non, Chacha Max? Oui! Exactement. T'as oublié ou... J'ai complètement oublié. Très bien. Une fois n'est pas coutume, nous allons faire un petit raid. Thank you. Et ça va aujourd'hui? La baguette. Merci beaucoup le stream français. Merci beaucoup le stream français. C'est très bien. Shoutouts for the French community. Thanks for the raid. 例外として、最初のボスのメイディン裏だけはスキップができないので、それはメイディンは、最初に倒します。Willkommen! Donc, German Raiders! Est-ce que tu sais parler allemand, maman? Pas du tout. Très bien, nous n'allons pas du tout galérer.
Et tandis que nous avons un raid du stream espagnol. Oh mon dieu, dans le chat. Hola, hola, gracias, muchas gracias, amigos españoles. Je sais pas parler. N'oubliez pas qu'à la fin du stream, vous avez des fiches à remplir avec le feedback. Hein, dites que c'est pas bien. Hein, dites-le. C'est important. Your name is going to be Le Coin. Le Coin. Let's go. Probably like the French stream. Shout out to them. Je vois un A. Donnez-moi un A. Un majuscule. Un A du majuscule. Donnez-moi un R. Donnez-moi un I. I-R. I-A-N-I. Voilà, bravo, félicitations, vous l'avez eu. Bravo à nous. Bravo à vous. Bravo, on se félicite, vous êtes merveilleux. Sachez que je vous adore. Et donc, vous voyez, Name Your Skater, Poupou, ça y est, nous l'avons eu. Bravo à tous et à toutes. Poupou est là. Poupou est là, notre Poupou national. Raymond. Qui va skater. Et donc, le voilà. Et voilà, vous l'attendiez. Vous l'attendiez, le voici. Ah, voilà. Notre André. Et on a dépassé un nouveau record de Games Done Quick. 3 043 486 au moment où je lis. On a battu la SGDQ 2019. Votre soutien me remplit d'humilité. C'est absolument fantastique. Eh bien oui, c'est fini. Eh bien oui. Malheureusement, c'est la run est finie. Ce soir voilà. Peut-être. Mais oui. Mais tu t'arrêtes jamais, la c'est fou ça. La run est finie. Pardon. La dernière section, attention, je pense pas qu'il va faire. Ouh, l'hyperdash à la fin. Très dangereux. Well done. C'est pas très grave. Il a GG. Attention le time. La petite roulade, la pirouette. Et time maintenant sur la tête. Très beau run. Assez joli. Et voilà la standing ovation. Ils sont choubouillants, une 13-36. Donc ouais, voilà. Hein. Plus de 20 minutes devant l'estimate qui était assez généreux pour un runner de cette qualité. Mais tout de même. Et on arrive déjà, bah écoutez, déjà à la fin. Et. C'est le time. As my final word, I'm gonna say thanks for having me, enjoy the rest of the marathon, and to all my French buddies, garde la pêche. Mais c'est un ensemble, donc du coup c'est... C'est un ensemble, oui, le panthéon. C'est une synthèse en quelque sorte. Le panthéon de clip, le clipéon. Le clipéon. Le panclipton. Le panthéclip. Le panthéclip. Ah voilà, le panthéclip. Le panthéclip, c'est pas mal. Le panthéclip, c'est bien. Oh, le florilège. Mais non, mais le florilège, c'est trop banal. Le panthéclip, ça, c'est bien. Ça, c'est quand même... Voilà, c'est validé.